Dans le téléfilm Basse Saison, Emmanuel DeVos forme un couple totalement ruiné avec Eric Caravaca. Terrés dans un appartement de la Grande Motte, les deux époux vont retrouver l'espoir le jour où un vieil ami réapparaît dans leur vie et leur fait miroiter un magot caché à partager. Une comédie noire où les deux acteurs scènes donnent à cœur joie pour donner vie à ce couple à la dérive. Fort heureusement, dans la vraie vie, tout va pour le mieux pour Emmanuel DeVos côté sentimental. Pendant de longues années, l'actrice a été en couple avec l'acteur Gilles Cohen, avec lequel elle a eu deux fils, Raphaël et Simon, aujourd'hui âgés d'une vingtaine d'années. Mais depuis plus de 15 ans, elle a retrouvé l'amour dans les bras du comédien Jean-Pierre Lory. Né en 1960, Jean-Pierre Lory a commencé par faire du théâtre dans les années 1980 avant de s'orienter vers la télévision et le cinéma. Il a tourné pour de très grands réalisateurs comme Krzysztof Kieślowski, Trois à couleurs, Rouge, Claude Sautet, Nelly et Monsieur Arnaud, André Téchiné, Alice et Martin, ou Pierre Jolivet, En plein cœur. Dernièrement on a pu le voir dans des films tels que Ne le dis à personne, de Guillaume Canet, ou Monsieur et Madame Adelman, réalisé par Nicolas Bedos. À la télévision, on l'a vu dans la série Sam aux côtés de Mathilde Seigné, ainsi que dans un épisode de Capitaine Marlowe en 2020. Le talent de Jean-Pierre Lory a aussi été reconnu par ses pairs, car il a été nommé au César 2001 pour Une affaire de goût de Bernard Rapp et au Molière 2006 pour la pièce Les créanciers d'Auguste Strindberg. Emmanuel DeVos, nous aimons passer du temps ensemble. Cela me suffit très largement. Dans un entretien accordé à Femme Actuelle en 2014, Emmanuel DeVos avait confié qu'elle n'habitait pas avec l'homme qui partage sa vie depuis 2006, expliquant qu'elle était incapable de s'installer dans un appartement plus de 5 ans. Reste à savoir si cela est toujours d'actualité 7 ans après. En tout cas, la vie d'Emmanuel DeVos semble bien remplie. J'ai ma vie, mes garçons, dont il faut s'occuper même s'ils sont grands, et puis j'ai mon amoureux. Nous aimons passer du temps ensemble, voyager. Cela me suffit très largement, d'autant que je travaille beaucoup. Avait-elle confié. Loading Widget.